Eh bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 18 de Skyrim Special Edition sur la chaîne LV888. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc on continue tout de suite l'aventure avec Fiona et Sophia. Voilà. Donc on est arrivé la dernière fois. Voilà, on devait rentrer dans cet endroit en fait et suivre un... Suivre un gars pour l'aider à faire une quête. Voilà, donc bon, on va y aller, on va pas traîner. Juste. On prend ce qu'il y a à prendre. Il y a des livres là. Je sais pas si je les ai ceux-là. Voilà. Donc on y va. Bon, visiblement, ici il n'y a plus rien. Ici peut-être. Ouais. Œuf d'araignée. Non, ici y'a rien. Allez, donc on va faire cette quête là aujourd'hui. Dans la tombe d'Ilgrund. C'est parti. Ok, donc c'est lui qu'il faut suivre. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la jouer discret, on va sortir l'arc. On s'en fout, là, l'arc impérial, on s'en fout complètement. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans mon inventaire, ça faut que je le re-remplisse. Allez, donc on y va, effectivement, l'arc orc est plus efficace. L'arc impérial. Alors du linge j'en ai en réserve, ça sert à rien que je le prenne. Est-ce que lui, faut lui parler du coup? We should get after Val's Baron before he does more damage here. Ça ne vous fait rien de tuer vos ancêtres? We're not killing them. They were already dead. We're helping them back to Sovngarde. Allons-y. Val's Baron will die for what he's done. Comme c'était bien vicieux. Mais je l'avais vu. Enfin, en fait, je l'avais pas vu, mais je veux dire, j'étais. Tu m'as pas eu, tu m'as pas attrapé. Ouais, c'est dégueulasse, c'est un truc de cimetière. Bon, faut que tu me laisses passer là. C'est quoi ça? J'espère que c'est une pierre d'âme, ça. Ouais. Ça se prend pour recharger des armes magiques et éventuellement aussi enchanter des armes. Un peu de bouffe, ça se prend. Si tu crois que toi je t'ai pas vu.
ça doit être une cave à avoir ici, c'est pas possible autrement. Il a l'air de ne plus rien avoir d'intéressant. Donc on continue. On sauvegarde. Oh mais il me pousse. Poussez pas! Alors c'est ce qui est. Ouais ça va, une novice. Hey, those belong to my family. Fine. Take whatever you want. So long as you help me get rid of Vals. Il se plaint parce que je prends ce qu'il y a dans les coffres. Bah. Pas me demander de l'aide hein, si tu voulais pas que je pique ce qu'il y a dans les coffres. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas trop ce qui se passe ici, mais en tout cas, il y a eu du grabuge, ça c'est clair. Why didn't I go in with her? He's barred the door. Gods only know how he's defiling the bodies of my ancestors in there. Agno once told me there is a secret room deeper in, where they buried disgraced members of the family. Maybe that will get us into the main chamber. Ouais, mais attends, avant d'aller par là, il y a cette porte-là à examiner. Mon ami, on prend notre temps. De toute façon, c'est pas là qu'il faut passer, celle-là, elle est barrée, la porte. Donc, faut faire le tour. Toi, je te soupçonne d'être vivant. Okay.
coffre. Même pas verrouillé. Charmant, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. Voilà. Toi, je te sens un peu encore vivant. Voilà, maintenant t'es complètement mort. There's a pressure plate around. I've seen it before and got pelted with darts. Celui-là, c'est un dur à cuire. C'était un dur à cuire, celui-là. Il y a des pièges quelque part. Ce coffre là. Non. Adepte, il faut être un putain de voleur pour ouvrir ça. Ah dommage, j'étais presque. Ah ouais, voilà. Ok, on sait. Ça nous permet de faire le plein d'or. C'est quoi ça? C'est un bouclier. Je sais pas trop ce que c'est. Partout ici. C'est là le piège, non? Non, bon, c'est tout, il se déclenche pas. C'est bon. Est-ce que ça, celui-là, il est pas... Je sais pas s'il est vraiment vivant ou mort. Non, celui-là est mort. Celui-là par contre. Il y a des trucs que j'ai pris, j'aurais pas dû prendre, on s'en fiche. On s'en fiche. Ah, ça sent l'araignée là. On sauve, ça sent l'araignée.
l'air d'y avoir grand chose d'autre intéressant ici. Magique, ça se prend. Derrière l'étoile d'araignée, il y a non, je pense qu'il y avait que là derrière là qu'il y avait quelque chose derrière le squelette, avec le squelette. Allez, on continue. C'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on a là, on est parti faire une quête, et en fait on tombe sur un autre endroit, on fait notre quête et on découvre qu'il y a un putain de donjon. Il est vraiment monstrueux ce jeu. Alors, lui là, toi je crois que t'es encore vivant. D'ailleurs je le croyais pas, j'en étais sûr. Toi aussi. Sinon, ah là non. Ici sont plusieurs. Ils se sont pris un peu des dommages quand même. Fonce dans le tas là, vous foncez dans le tas là. Allez, dis mollo. Ici c'est un peu le bordel, il y a des trucs de cassés. Alors j'ai l'impression qu'il y a des trucs à activer. Alors, il y a des plaques. Il va falloir ouais, il y a encore un code. You found it. The passage goes through the sarcophagus. I don't like this. But we'd better keep going. Ah bah c'était là. Ok, bon, mon instinct, j'ai eu de la chance ce coup-là. J'ai eu de la chance. Ça aurait pu être un piège. Alors qu'en fait, non, c'était. Ça ouvrait un passage secret. Je pensais que ça, c'était des codes avec une combinaison à trouver. Mais non. Passer par là, on va sauver.
fait, elle a pas besoin de bouclier, hein. Notre amie Sophia, elle se bat avec la magie. This door should lead to the main burial chamber where Valse is holed up. Let's get in there and put an end to this. Visiblement, c'est par là. Okay, ça sent la fin du donjon. Ça sent la fin du donjon, ça. Série d'ennemis ou le boss quand on va récupérer l'objet. I'll return my ancestors to Sovngarde and you with them. Sovngarde is a myth, you swit. And now you can join your ancestors in service to me. Enfin. Ah mince, j'ai glissé. Ah mince, je me suis fait one shot. Oh, je me suis fait one shot. Ah, je me suis fait démonter là. Ok. Bon, là on sait ce qui va se passer. On va changer de stratégie. On va se mettre en corps à corps. On va prendre ça. Et. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas ça? Et ça, ça protège un minimum. Faire attention aux archers. On va essayer de se faire les archers en premier. C'est bien parti, ça a l'air mieux parti. Il faut se méfier du mage. Je pense que c'est le plus dangereux. On va essayer de se faire le mage. Après, il disparaît. Je sais pas où il est. Oh là 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 là. Il m'a défouraillé. Je me suis fait défoncer. Eh ben, pas évident ce combat. Il va pas être évident. Il va falloir être super prudent. Bon, finalement, on va rester avec l'arc. Hein. En étant peut-être plus prudent. En se mettant peut-être plus en bas, là. Ou en haut, peut-être, justement. En se mettant à la place de là où est le mage. Peut-être ce serait une bonne place pour... en étant en hauteur. Someone there?
faire le mage en priorité en fait. Il est où le mage? Je le vois pas. Il considère pas que je suis en combat pour l'instant. Ouh, ouh, y a du. Ok. Ok. Mange. Le mage il est où? Ah, il régénère l'enfoiré. Ah, je me suis fait avoir. Oh purée. Ouf, oh. Comme c'est violent. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Mais bon, là, on était déjà mieux quand même. Not the other way around. I'll return my ancestors to Sovngarde, and you with them. Sovngarde is a myth, you swit. And now you can join your ancestors in service to me. On va essayer d'éviter de tirer sur un copain. Oh purée, mais qu'est-ce que je peux faire contre ça, moi? Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Un coup de magie, je meurs. Boum. Pas faire grand chose là-dessus là. Dead should be made to serve the living, not the other way around. I'll return my ass. Si on tire tout de suite dessus. Parce que la stratégie, c'est pas d'abord de se faire tous les squelettes et seulement ensuite en dernier mage. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Ah mince, je l'avais pas vu. D'accord. Il faut que je trouve un endroit où je serai davantage en sécurité. Il est vraiment pas évident comme combat, mais c'est bien, ça le rend un combat intéressant. Dead should be made to serve the living, not the other way around. I'll return my ancestors to Sovngarde, and you with them. Peut-être sur un coffre un peu plus haut là. Now you can join your ancestors in service to me. Allez, dehors. Allez, ça paraît bien engagé. On va sauver pour éviter d'avoir à tout recommencer.
Bah je le savais, il fallait que je bouge. Deux cibles paraissent encore vivants, donc ça veut dire c'est plutôt bon signe. Je suis toujours en mode caché, donc ça c'est bien. On va se soigner parce que là, l'heure est grave. Ça y est, je l'ai eu. Eh ben, ça a pas été sans mal. Hein. Ça a pas été sans mal, mais on y est arrivé quand même. On va sauver tout de suite. Thank you for your help with Vals. Please take this and leave me to see to Aunt Dagna and my other family members. Bâton de boule de feu là, ouais, 26 points, putain c'est pas mal ça. On a quand même réussi, c'était chaud mais on a réussi. Pas évident du tout. Oh, pas mal l'arc. Mieux que celui qu'on a. Donc en plus si on l'upgrade. Ouf, ça aussi. Eh ben, c'est jackpot ici. Hein. Ah non, ça on va le prendre. C'est un peu magique ça. Enfin non, c'est magique sans être magique. Ça fait des dégâts physiques supplémentaires. On reprend peut-être, ça peut...
sauver. Ah. On n'a pas fait tout ça pour rien. Bon, ici j'ai fouillé. Normalement on a tout fouillé, je pense, à peu près. On va aller jeter un œil quand même ici en haut. Il faut être expert pour la porte à l'armoire. Avant que la clé. Ouais, bah ouais. Et là je parie comme par hasard, on va retrouver de l'autre côté. On va retomber de l'autre côté où c'était bloqué. Qu'est-ce qu'on prend? Ah bah voilà. C'est la sortie. Il disait c'était bloqué tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On a fait le tour et on a réussi à. Bon, je regarde juste un. Ah oui, j'ai pas remis mon masque. J'ai un masque que j'aime bien mettre. Good to see you again. Qu'allez-vous faire maintenant? Whatever I can to put my family here back to rest. After that, probably just stick around here. Saw some good game on my way here, and I'd like to stay close for a while. Okay. Au revoir. Thanks again for your help. Okay. Donc on a vraiment fini la quête. On s'en va là, ça sert à rien de rester là. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait ce qu'on avait besoin de faire. Alors je pense que peut-être entre deux je retournerai à Blanche Rive. Peut-être je vais pas vous embêter avec ça. Faire le tour du craft et tout ça. Voilà. Et puis bah du coup je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 19 de Skyrim, spéciale édition sur la chaîne LV888. Allez, ciao, salut, à la prochaine!